Et bien sûr tout le monde, c'est Mister B-Boy 45. Comment allez-vous les amis? Moi ça va très très bien. Et aujourd'hui on se retrouve pour la suite de notre aventure sur God of War. Et nous en sommes à l'épisode 21 si je ne m'abuse. On est parti. On va refaire cette petite action qu'on avait déjà faite, mais apparemment très vite oubliée. Ça vient d'une vaste contrée désertique très lointaine. Est-ce qu'il y a des dieux là-bas? Et comment? Ils sont très très nombreux. Bon ou mauvais? J'ai bien peur que ça ne soit pas si simple. Ah, il commence déjà à poser des questions. Il sait pas exactement ce que Kratos a fait, c'est-à-dire a défoncé l'intégralité des dieux grecs. Il le sait pas encore, je sais pas si il va lui dire. Mais en tout cas, beaucoup de questions se posent. Et ça y est, on a ouvert une issue. On va pouvoir récupérer la toute dernière. Quoi? Quoi? Ok, on va pouvoir récupérer le tout dernier vent. Hop, ça c'est cadeau, regardez ça. Ça c'est la distribution de plaisir. Oh, je l'attendais, on n'a pas pu le faire l'épisode précédent. Oh là là, c'est une régalade. C'est une mascarade et avant tout une régalade. Oh, il a tout fini, c'est terminé. C'est l'âme du chaos les amis. Je suis désolé, mais on oublie très très vite l'âge qui pourtant est relativement dingue. Ok, on va travailler les esquives parce que là c'est compliqué toutes ces histoires. Hop, même les cauchemars ça devient tellement ridicule à côté. Ah, très bien, j'ai fait ce que je méritais. Ah, j'ai peut-être ouvert ma gueule un peu trop vite. Non, je déconne, ça prend. Hop, toutes les esquives. C'est normal. Ah putain, salopard. Ok. Ok. Ça c'est beau, ça c'est cadeau. Ça c'est offert par la sécurité sociale, mon pote. Il a pris ce qu'il mérite, hein, dès le début de l'épisode. C'est tellement kiffant de leur mettre ce qu'il mérite. Oh, c'est l'âme du chaos et ses effets. J'ai l'impression qu'il y a plus d'effets depuis que je l'ai amélioré qu'avant. Je sais pas vous. C'est pas à me dire en commentaire parce que je trouve que c'est quand même quelque chose de très intéressant. Attends, ça c'est fait. Hop, on leur met ce qu'ils méritent. Ils sont chauds de ouf. Hop, lui c'est terminé. Il va prendre ce qu'il mérite. Il a totalement pris ce qu'il mérite. Ok. Ah putain, bien joué à lui. T'as été le meilleur. Okay. Allez, ça dégage. Et ben voilà. Les amis, on s'en est plutôt bien sortis, on va pas se mentir. La porte se réouvre, c'était la porte d'entrée. Donc on est parti. On va pouvoir. C'était quoi? Ça avait l'air important pourtant. Je me suis laissé emporter. Ne m'en tiens pas. Oh non, c'est pas vrai. Mais c'est pas vrai. Genre réellement les gars, je suis low HP. C'est terrible. Hop, regardez hein. Il est en train de l'arracher. Non mais sérieux, non mais les gars, c'est tellement injuste. Ça dégage hein. Mon fils il prend ce qu'il mérite. Tellement injuste ce que j'ai pris. Oh, je suis encore sous l'état de choc. Pour être très honnête avec vous. Ah, on n'est pas bien, on n'est pas bien dans cette situation. On est parti. Non pardon. On est parti. On va pouvoir le mettre à sa place et on va pouvoir récupérer le troisième vent. Normalement. Ouvre une porte supplémentaire. C'est bon. Ok, on a une nouvelle porte ici. Alors, il est temps d'aller récupérer le troisième vent avant cela. Qui est dans le plus petit anneau. Qui va permettre de faire bouger les trois autres anneaux. Vous allez voir, c'est terrible. C'est terrible ce qui va se passer. Mais moi, je ne sais pas ce qui va se passer finalement. Mais selon toute logique, il faut récupérer impérativement le vent qui est au centre. Regarde, un piège avant. Yes. Ok. On va le poser ici. Bon, voilà. Pas bête. On a récupéré un dernier vent. Alors par contre, je sais pas vraiment ce qu'on doit en faire. Pour être très honnête avec vous, je pense que on le verra dans la prochaine salle. Mais au moins, au centre, les deux anneaux ne bougent plus. C'est plutôt cool. Elle était où? Attendez, elle était où l'issue là?
Elle était où l'issue? Elle était totalement par ici. On va pouvoir ouvrir. Si je sens qu'on va trop loin, qu'on s'aventure trop loin, on reviendra sur nos pas pour résoudre cette énigme. Je veux que tu me dises la vérité à partir de maintenant, d'accord? Même si ça me blesse, je veux tout savoir. C'est pas parce que tu détestes être un dieu que ça doit être pareil pour moi. Ok. Attendez, ça c'est nouveau, ça vient de sortir. Ça c'est nouveau, ça vient de sortir. Et ça c'est de là où on vient. Très bien. Il y a donc trois salles. Donc c'est passage étroit. J'ai compris. J'y vais. Je ne peux pas regarder. Bonne chance. Ah ouais. Bah, j'ai failli y aller. Hein. J'étais à deux doigts. Hein. J'allais me foutre en l'air. Ok. Ah. Moi qui pensais que les lames étaient terrifiantes. Ok, c'est bon. Aucun souci. On va pouvoir ouvrir cette porte et récupérer le troisième vent. Incroyable. Incroyable. Tiens, ici il y a des soins. Tu trouves pas ça chouette d'être un dieu et de partir à l'aventure dans des endroits incroyables? Ouais. Chaque chose en son temps. Regarde, ce sont les loups géants, Skoll et Ati. Exact. Ceux qui apportent le jour et la nuit. Le Ragnarok aura lieu quand ils attraperont le soleil et la lune. C'est ça? Est-ce que Tyr les connaissait? Je ne sais pas, mais il les aimait suffisamment pour leur accorder un mur entier dans son tombeau. D'accord, petite énigme ici à mon avis. On va récupérer le dernier vent. On va l'apporter de ce pas ici et on va voir ce qui va se passer. Et c'est la fin de cette énigme. Aucune idée de ce qui peut se passer maintenant. D'accord, ça me paraissait logique. La pierre unique, elle descend. D'accord, ça me paraissait totalement logique. Ah! Qu'est-ce qui se passe? Un piège! Père! Atreus, ne reste pas ici! Je vais bien! Comment on va te sortir de là? Tire sur les chaînes, le long du mur! Mais! Il y en a trois! Qu'est-ce que je dois faire? Atreus, concentre-toi! Tu peux le faire! Fais vite, petit! Je ne sais pas si je peux me noyer! Allez, réfléchis! Ati et le loup argenté, ils chassent la lune, Skoll et le loup doré, ils chassent le soleil. Pour provoquer le Ragnarok, ils doivent les dévorer. Mais les symboles sont pas dans l'ordre. C'est bien! Donc la lune va à gauche et le soleil à droite. Le garde est au milieu. Mais quel levier je dois tirer? Celui de droite! Non, non, non! Attends! Ok. Le levier du milieu! Oh non, oh non! Le levier du milieu! Je dois faire ça dans l'ordre. Lune à gauche, soleil à droite, Midgard au milieu. Lune à gauche, soleil à droite, Midgard au milieu. C'est la merde. Comme disait Oncle Ben, on est mort dans le film. On est mort. On est mort. À gauche. Attendez, attendez, j'ai déjà oublié l'ordre. C'est terminé. À droite. Non. Non, 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 non. Celui de droite. Ok. La lune, garde le soleil. La lune, garde le soleil. La lune, garde le soleil. J'ai inversé. Celui de droite. J'ai inversé. Le levier du milieu. Je suis mort dans le film. Le levier du milieu. J'ai inversé, il parle trop vite. J'ai pas saisi l'entière responsabilité de mes actes. Oh non, je suis un monstre. Oh, je suis un monstre. Bon, je ne peux pas mourir. C'est déjà ça. Cette tête, elle est incroyable. Je veux la même à la maison. Une minute. À quoi sert cette grosse chaîne? Ah! Atreus, tu dois bloquer la chaîne! Mais comment? Je ne sais pas! Attends, je sais quoi faire! Son couteau? C'est le seul moyen! Allez! Ton couteau à beurre, mon pote! Ça marche pas! Ça aurait dû marcher! Ok. Son couteau.
je sais. Mais il t'a sauvé. C'était bien pensé, mon garçon. Ah, ça fait plaisir, Kratos, qui reconnaît enfin l'utilité d'avoir pris ce couteau à beurre, n'est-ce pas? Ok, on est parti. On se met full life, aucun problème. Alors, on a quelque chose ici. On va devoir le déplacer. Oh oui, d'accord. Excusez-moi. Excusez-moi. Allez, récupérez la rue noire. Je crois qu'on a réussi. Bien. Allons voir ce que Tyr a pour nous. Oh non. La rune de protection de Freya, elle s'efface. Qu'est-ce qu'on va faire? On va aller là. On va continuer. Je suis avec toi. D'accord, très très bien. Prévenez les gars, non? Hop, j'y vais, je mets des patates. Hein. Ok. 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 M'envoyer le loup. Hop ça. Bon, on l'écarte, hein, les gars. Ça, c'est pas problématique. Ah putain, ça casse les couilles, les cauchemars. Non, ça casse les couilles, les cauchemars. Non, ça... Oh, putain, c'est compliqué. Ça casse les couilles. Cauchemar de merde. Ah, c'est pas vrai. Désolé si je perds ma voix. Ah bah, c'est ça d'avoir une climatisation professionnelle, évidemment. Ce qui me permet de garder une température exacte de 19 degrés dans l'intégralité de ma pièce. J'en rigole, mais les gars, un jour, je vais me réveiller, c'est terminé. Hein. C'est terminé, plus de vidéos pendant 2 semaines, faudra pas parler chinois. Non, je rigole, même sans voix, je ferai les vidéos, les gars. Je murmurerai, je ne sais pas ce que je ferai d'ailleurs. J'essaierai de communiquer avec vous par télépathie, il y aura quelque chose. Il y aura contact entre vous et moi, vous inquiétez pas. Non, on n'y est pas. Et Inch, on n'y sera pas, d'accord? Ok, on a quelque chose ici. Ok, bon, là, il n'y a rien à faire, hein, c'est juste un reflet. On va pouvoir redescendre, voilà ce qu'on va faire. Par contre, on va pas tout de suite prendre l'orbe noire. On la tient. Non. Dur. Il y avait quelque chose à faire avant. C'est une tête de mort. Atreus. Tiens. Le jour où tu es né, j'ai forgé 2 couteaux. En mêlant le métal de mon royaume à celui de cette terre. L'un était pour moi, et l'autre pour toi, quand tu serais prêt. Ce jour est arrivé. Alors je suis un homme, comme toi. Non. Nous ne sommes pas des hommes. Nous sommes plus que ça. Et nos responsabilités sont gigantesques. Et il faut que tu sois meilleur que moi. Tu comprends? Dis-le. Je serai meilleur. La puissance de cette arme, de toutes les armes, vient d'ici. Mais seulement si elle est maîtrisée par ça. Par la discipline, la domination de celui qui la manie. C'est là que réside la véritable force d'un guerrier. Tu ne dois jamais oublier ça. C'est bien. Viens. Je vous avais dit quoi? La rune. Au sujet des 3 golems. Oui. Tu en es sûr? Je l'ai. Fais-moi confiance. Allez, on est parti. Vise la tête. C'est parti. On va devoir lui mettre ce qu'il mérite à celui-ci. Et ce qui me fait peur, c'est qu'il y a 3 autres statues. Ouais, c'était sûr. Même qu'il y a semi de cendres. Ok. Ok. Ah putain. Ok, aucun effet.
Ok, ça, ça a de l'effet par contre, Mash. Les lames du chaos n'ont aucun effet. Oh putain, j'ai pris ce que je mérite. Mais je méritais totalement. J'ai été arrogant. Ok. Je méritais totalement. Là, je mérite à celui-ci. C'était pas ouf. Comment vous expliquer? Ok. Attends, il n'y a pas un troisième. Ça, c'est beau. Ok. Lui, il est clairement insensé. Oh la vache, il m'a mis une sécose, frère. Allez. Ok. Ok. Ok, lui, il craint pas ça, alors qu'est-ce qu'il craint? Il craint pas ça non plus, si. Si, il craint totalement. Ok, c'est pas mal. Ouais, il craint de ouf. D'accord. Donc, le givre. Le givre, c'est les lames. Le feu, c'est la hache. Très important, à mon avis, à noter. J'ai ramassé de l'argent, de l'acier. On est très très bien. Bataille contre des dieux. J'en ai vaincu des plus gros. Aïe 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 aïe. Piètre troll. Cool. Je suis dans le mauvais sens. De quel côté est la vasque pour remonter? Ok. On va voir un petit peu ce que c'est. Oh, c'est incroyable. Ouais, mais c'est pas... Ça vaut pas le style... Ah, attendez. Ah non, c'est le L1 R2. Yes. Ça y est. Ça y est, les amis. Mes lames du chaos sont équipées des deux runes. Et c'est incroyable. Flamme du chaos. Mais qu'est-ce que c'est, cette petite flamme? Ah, on va pouvoir encore améliorer les lames. Ça fait extrêmement plaisir. Je suis tout ému, les amis. On est très, très bon. Alors, on peut sortir. Par contre, je vous vois arriver à 10 km. Vous allez dire, B-Boy. B-Boy, B-Boy, t'as oublié quelque chose et vous auriez raison. Vous auriez énormément raison. C'est pas par ici. Attendez, parce qu'il y a plusieurs issues finalement. Il y a des choses qu'on n'a pas faites encore. Ça par exemple. Calme-toi. C'est pas le concracra. Ok. Go. Cours dans l'ombre, on sait jamais. Allez, déjà ça, c'est fait. Nouveau coffre, c'est dans la poche. Sûrement une rune. Ça fait plaisir, c'est la famille. Non, même pas, c'est de l'acier. Je prends quand même, on va pouvoir améliorer pas mal de petites choses. Ah, putain. Attendez, parce que maintenant que j'y pense, j'avais trouvé. Mais oui, mais j'avais trouvé quelque chose, une rune. Dans l'épisode précédent, il me semble. Sauf qu'on n'avait pas vu le coffre. Il doit être un petit peu plus loin. Bougez pas, il doit être à une autre porte. Celle de droite, je crois. C'est un bordel. C'est un bordel. On a quelque chose là-haut. C'est totalement un bordel. Voilà, c'était là. On avait fait lequel? On avait fait celui-ci. On avait fait celui-ci. Celui-ci, on l'avait pas fait. Très bien, c'est parti. Ah, le voilà, le coffre. On a les trois symboles. On est parti pour essayer de les trouver. Si vraiment c'est trop long, je couperai évidemment au montage. Ne vous en faites pas. Donc on a un nouveau coffre, très intéressant. Est-ce que je peux l'ouvrir à MDR? Pas du tout. Hors de question que j'ouvre ce coffre dans cette situation. Compliquée cette histoire. Compliqué. Oh putain. Oh salopard. Oh salopard. Il est malin, hein. Ok, un saut détruit. Ok. On va voir s'il n'y a pas un autre saut. Il va falloir observer. Ok, il y a forcément des sauts par ici. Je crois que... Ah putain, celui que j'avais fait, je sais plus du tout où il était. Ça va être forcément plus compliqué que ça. Ah, un ici. Ok, je sais pas si c'était lui par contre. Une statue, hein, ça dégage. Sacrée gueule qu'elle avait. Il me reste une lettre. Il me reste une lettre. Je peux la trouver. Je le sens. Où est-elle? J'en ai aucune idée. On va faire un petit effort, on va chercher, on va trouver ça. Elle est forcément dedans, je pense qu'elle est forcément dedans. Hop.
Mais où peut-elle bien être? Peut-être là-dedans, hein. Allez, mon pote, ça c'est fait. On a été monstrueux, on a été monstrueux. Pas besoin de faire de montage. Pas besoin de faire de montage. On a été assez rapide. C'était plutôt cool. On a compris comment ça fonctionne. Il n'y a plus qu'à. Allez, quoi qu'il arrive, on augmente soit la rage, soit la santé. Ça va être insane. Faites-moi rêver, s'il vous plaît. Et c'est... Et c'est... Et c'est la pomme. Ça y est. Santé de nouveau augmentée. Matez-moi ça. Matez-moi cette belle barre. Oh, c'est une belle barre qu'on a là. Clairement, c'est une barre qui fait rêver. Bien plus d'un Français. Allez, on peut y aller maintenant. On est reparti. Heureusement, heureusement que j'ai décidé de revenir sur nos pas. C'est incroyable. Tout ce qu'on a fêqué, tout ce qu'on a vécu, c'est juste fou. Qu'est-ce qu'on a là? Bougez pas. Là, on a quelque chose aussi. Ah non, c'est totalement rien. C'est totalement rien. On peut repartir. Aucun problème. On va aller voir le nain pour améliorer tout de suite notre lame du chaos. Allez, on remonte, fils. Ici, j'aime pas trop ce qui se passe. T'énerve pas, du sable. T'énerve pas. On est si près du but. Assieds-toi. Du vin lémnien, de l'île de Lemnos, près de l'endroit où je suis né. Lemnos. À la fin d'un voyage. Vraiment ? Ça sent l'œuf pourri. Il est encore bon ? Probablement. Père, pourquoi quitter ta terre natale pour venir ici? Est-ce que ça a un rapport avec les dieux de là-bas? C'est juste que tu détestes tellement les dieux, mais tirer la preuve qu'ils peuvent être bons, comme toi. Tu ne tues que ceux qu'ils méritent, n'est-ce pas? Ah, mais qui est assez digne pour en juger? Tais-toi, la tête. Nous, on l'est, car on est sages. Mmh. Tu parles de plus en plus comme ton père. Prêt? Prêt. Viens. Je sens que ça va me plaire d'être un dieu. Oh là là, il y a tellement de flow dans les cinématiques, c'est incroyable. Qu'est-ce que vous voulez dire de plus? Il n'y a rien à dire. Ça s'apprécie, j'ai apprécié. On va où on veut. Incroyable. On fait tout ce qu'on veut. Et maintenant, on va rendre visite aux géants. Oui, maintenant qu'on connaît la rune qui mène à Jotunheim, on peut retourner à la porte sur le pic et utiliser le burin magique. Personne ne nous arrêtera cette fois. Voyez, en avant. Il fait son grand retour. Allez. Je n'avais pas dit que ça irait. Oh, j'ai failli oublier. Brock, voici notre nouvelle amie Mimir. On se connaît. Oh, pourquoi tu l'as pas dit? Demande-lui. Me demander? Parle pour toi. Silence. Ça suffit, vous deux. D'accord. J'aurais mieux fait de me taire. On va pouvoir regarder ces lames du chaos. Normalement, si tout va bien, on va encore
les améliorer. J'ai tellement hâte. Améliorer, attendez. Amélioration l'arme et l'arc serre aussi. Oh là 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 là. Oh, ça va aller vite, hein. Ça va aller vite pour tout le monde. Personne va être prêt, hein. On est parti. L'âme du chaos. Hop, bougez pas, hein. Je suis totalement perdu. Vous êtes prêts? Matez ça, hein. Matez ça. Apportez-moi vite. J'ai des idées. Quel plaisir, ça n'a rien changé. Mais on va pouvoir, avec l'XP, acheter pas mal de trucs assez cool. Je peux encore les améliorer, tu déconnes? Eh, matez ça. J'espère t'apprécier. Ah, si, on voit la gravure. On voit de la gravure, ça c'est cool. Bon, améliorer, elles sont niveau 3. Incroyable, mais vrai. Il faut encore des flammes du chaos. Et on peut améliorer l'arc serre qui prend encore une nouvelle gueule. Et ça, c'est juste fou. Là, on est surdopé, survitaminé. Ce serait dommage de pas se faire plaisir. Allez, on l'améliore au moins une fois. C'est quand même protection de torse. Pas dégueu. Ça, c'est fait. On va pouvoir quitter. J'attends d'avoir du stuff en jaune. Ça serait plutôt cool. Bon! Ça y est, nos lames prennent encore une nouvelle gueule. Ça, c'est cool. On va pouvoir s'arrêter dans de très bonnes conditions. Direction, néanmoins, la montagne. Une des dernières fois... Attendez, j'ai eu peur. Non, c'était rien. C'était rien. Direction la montagne et... Ah non. Ah non, faut reparler au serpent monde. Ah yes. On va lui parler et on va pouvoir s'arrêter là, les amis. C'est parti. Regardez ces lames du chaos incroyables, si belles. C'est dingue. Attendez, c'est par où déjà? Je ne pense pas qu'on devrait déranger Jörmungandr sans raison. La vérité, j'ai une raison. On n'a aucune raison de faire ça maintenant. Ah, bah non. Ok, non, je me suis trompé. J'ai usurpé un faux appel. Désolé, my bad. J'étais totalement prise. Je voulais l'appeler, mais en même temps, le serpent monde, les gars, est tellement stylé que forcément, tu sais, t'as envie de te faire plaisir. T'as envie de l'appeler, t'as envie de lui dire que quoi qu'il arrive, t'es là, t'es en soutien. Il est magnifique. Il est tellement magnifique. Allez, on est parti. Est-ce que tu peux dire ça maintenant? Encore un nom. Normalement, ça va allumer. Voilà. Une autre Valkyrie. Ce n'est pas un hasard. Mais qui a pu les inscrire sur les brasiers de tir? Je pense qu'à chaque fois qu'on va allumer ça. Vous avez vu, vous vous souvenez, on avait vu une salle de 8 trônes. Je pense que quand on allumait les 8, les trônes, il va se passer quelque chose. Vous voyez ce que je veux dire? Je pense que vous voyez très bien ce que je veux dire. Ça va être très très sale ce qui va se passer. Je vais dire à Sindrik que je suis un dieu. J'ai hâte de voir sa tête. Non. J'ai peut-être gardé ton secret trop longtemps, mais maintenant, tu vas garder notre secret. Ok. On est parti. Bah oui, parce que là, si le gamin il commence à dire à tout le monde qu'un tel est un dieu, on n'est pas dans la merde, on va pas se mentir. On y va, dès qu'on est en bas de la montagne, on va s'arrêter. Pourquoi là, j'espère que chaque épisode vous fera plaisir. Garde des secrets. Pourquoi pas être honnête, comme Tyr? Tyr aussi avait des secrets, et il avait de bonnes raisons. Il protégeait les gens. C'est plus sage de rester discret. Ça veut pas dire qu'il faut mentir à ses amis et à sa famille. Je suis sûr que Sindri comprendrait qu'il ferait... Oh non, ça a coupé la combe! Non, je suis désolé, en vrai, je suis désolé. Je pensais que ça allait continuer. Alors, petit, tu es impatient de découvrir la Terre des Géants? Oui, mais je suis triste que le voyage se termine. Et si on arrivait à Jotunheim, mais qu'il n'y avait pas de géants là-bas non plus? Ça ne change rien pour nous. La seule chose qui compte est d'exaucer le vœu de ta mère. Ah! Ne bougez pas! J'arrive dans 2 secondes. Mère, je peux lui dire? Non. Me dire quoi? Tu as mis ces trous dans ta bouche? Oh, je vais vomir. Je rigole pas. Je vais vomir. Ce n'est rien. Une histoire de famille. Oh. Oh. J'en connais un rayon sur les histoires de famille. Laisse-moi deviner. Ton frère n'est pas aussi doué que toi. Et son travail ne vaut rien. C'est tout à fait ça. Et tu parles que de ça à chaque fois qu'on te voit. Essaie d'y faire quelque chose, ou sinon, tais-toi! Je vois. Oui! On en a marre d'écouter les lamentations de gens insignifiants! Très bien. Ce n'est pas très gentil. Je vais examiner ton équipement. Ok, il se passe des trucs chelous là par contre. De l'orage comme ça, c'est très bizarre. Ok.
T'as pas l'air de vouloir. Je ne garantis pas la qualité de mon travail. Ah bah vu qu'on l'a fait avec l'autre nain, forcément, il n'a strictement rien fait. C'est terrible pour lui, il n'a pas eu cette occasion. Bon, on est pas mal, clairement, les amis. Je pense qu'on va s'arrêter là. N'oubliez pas le j'aime et le commentaire. Je vous souhaite à tous très bonne journée, très bonne soirée. Peu importe quand vous regardez cette vidéo, je vous dis à très bientôt. Portez-vous bien tout le monde. Ciao, ciao.